Bonjour tout le monde. On est dimanche. Bah, il fait pas beau, mais il fait pas froid. Il pleut pas surtout, donc ça me va. Bon, il est que 10h, je vais pas réveiller tout le monde. Hein, pour l'instant. Donc là, je vais débrancher les guirlandes. Faire gonfler mes décorations et puis essayer de les rentrer. Mais les temps quand même. Allez. Ça fait pas de bruit ça. On va les laisser comme ça toute la journée et ce soir je rentrerai comme ça ils seront déjà un peu moins mouillés. Mais je sais pas si ça passe la machine ça. Vu qu'il y a un truc, un petit moteur pour l'air, je suis pas sûre. Bon, je regarde. Oui. Bon, je me suis changée. Hein. Bah oui, parce que il fait peut-être pas trop froid, mais on sait jamais. J'ai mis un truc un peu plus chaud et surtout après je vais aller m'occuper des palissades. Et petite précision, c'est pas que je veux pas réveiller les gens qui dorment là, c'est pour mes voisins que je veux pas faire de bruit trop tard, enfin trop tôt quoi. C'est mieux. Regardez, j'ai une fleur. Oh, il est trop joli. Bon, on la voit pas bien là, mais il y en a au moins une. La solaire, va falloir que je la déplace un petit peu. Ah, si je vais placer le palissade, pas le choix. N'empêche que quand on y réfléchit, ça va être cool. L'année prochaine, je vais en mettre plus encore. Oui.
bah ça a été plus rapide que de la montée, hein. Bon, l'année prochaine j'aurai moins de mal vu que les crochets sont déjà installés. C'est ma néon qui gambade. Non mais c'est quoi cette mèche rebelle là? Mon Dieu. Bon bah celle-là va rester en place, hein. Je vais retourner le capteur. Mais on va la laisser fonctionner encore un peu, hein. Ça coûte pas cher. Ça coûte rien du tout d'ailleurs. Et c'est joli. Donc voilà, tout est prêt. Bon, je vais pouvoir m'y mettre, hein. J'ai vu que tout le monde était réveillé aux alentours, donc... je vais m'amuser. Oui. Alors voici la massière circulaire. J'ai acheté le 6 juillet de l'année dernière, en prévision de mes travaux. Mais je ne l'ai jamais utilisée, donc je ne sais pas m'en servir. Oui. Ça va être une grande première. Hein. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à poser les équerres sur les étagères. Les étagères. Oui, bon, enfin, si on veut, hein, les palissades, voilà. Et puis après, je vais mesurer les poteaux pour les découper. Ou bien une première fois, hein. Allez. Allez, on n'oublie pas de travailler en musique. Voilà, j'ai juste prémonté en fait, hein. Je ne les ai pas vissés à fond, parce que si j'ai besoin de réajustement et tout, vaut mieux. Bon, maintenant je vais aller mesurer les poteaux pour faire les découpes. Après, si j'ai trop peur, hein, je reprends ma vie ici. Hein. Ouais. Donc maintenant, on va ouvrir l'engin. Puis je vais lire correctement la notice quand même, vaut mieux, hein, parce que... Attention, mes mères, passe pas à côté. Oh oui, oh, oh là là. Oh, c'est mon fufu, ça. Oh. Allez, nous. Oh. Ah, c'est trop lourd. Hein. Tu vas aller dans le carton? Mais je te conseille pas. Oh. Ah, c'est lourd, hein. Ça sent bon le neuf. Ouais. Comment ça marche? C'est ça? Est-ce que ça chauffe tout seul? Oh. 80. Ah, oh, tiens, c'est pratique ça. Bon, allez. Je vous laisse 2 secondes, je vais aller lire la notice. Bon, vu que je suis pas très rassurée à l'utiliser, bah, je vais pas l'utiliser. Je vais plutôt utiliser ma vieille méthode et puis
Elle a très bien fonctionné avant, donc on va pas se casser de la tête. Hein. Bon ben comme d'habitude j'ai tout sali, hein. J'ai plus qu'à tout nettoyer après. Bon, on verra après le montage. Voilà, les quatre sont prémontés. Bon après, même si c'est pas très droit au-dessus, c'est pas très grave vu qu'il y a des chapeaux dessus. Donc ça se verra pas. Et j'ai pas serré à fond les vis du bas pour pouvoir bien les régler lors du montage final, quoi. Donc j'ai plus qu'à tout ramener de l'autre côté. Let's go! Bon voilà, j'ai tout ramené devant.
Il n'y a plus qu'à commencer, mais d'abord, bah c'est l'heure du petit café.
Il manquera plus que les chapeaux à mettre. Et bah, il n'y a pas à dire, je suis contente. Ah oui. Par contre, j'en ai mis que 4 vis à chaque fois. Ça ne servait à rien de remettre plus. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, là. Eh bien, je les ai vissées de travers, tout simplement, parce que elles étaient trop grandes. Donc, ça perçait la palissade. Bon, ça tient pareil. Voilà. Le bonhomme de neige et le traîneau sont rangés. Bon, il était temps. Bon, je vais vous laisser pour ce soir. Je vais arrêter là. J'aurais bien travaillé, je trouve. Enfin, on aura bien travaillé. Il y a mon fils quand même qui m'a aidé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, la journée, j'ai adoré. Franchement, quand on finalise un travail comme ça, enfin, finalise, il y a encore tout l'autre côté du mur, mais au moins, on voit que ça avance, quoi. Je suis contente. Donc, je vais vous souhaiter une bonne fin de week-end. Et puis, on se retrouve peut-être demain. Ça dépendra du temps, de ce que j'ai à faire. Oui. En tout cas, merci pour tous vos commentaires. Merci de vous être abonné. Merci beaucoup. À bientôt.